maison. Quelqu'un va construire quand à cet âge-ci? Ah, que quelqu'un se pense à des cheveux. Attends, tu veux me dire qu'il ne s'est pas encore rendu compte que toi tu marches derrière son dos? N'est-ce pas? Oh, je peux voir l'argent. D'accord. Grand surprise, tu sais ce que c'est? Une carnet d'échecs. Putain, bébé, je sais comment te remercier. Grand merci. De rien. Grand merci, franchement. Et je vous dis, il faut toujours compter sur moi. Non. Apparemment, je suis en train de voir certains trucs là-bas. On dirait que tu as volé. Bébé, si je ne vole pas, je vais faire quoi? Je ne travaille pas. Tu me fatigues quand tu me dis des trucs comme ça. Je ne travaille pas, il faut comprendre. Je te donne tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Pardon, tu sais quoi? Tu es venu me rendre visite, il faut qu'on se sente à l'aise jusqu'à ton départ. Oublions un peu ça, hein? D'accord, oublions un peu ça. Bien. Bon, bien. Tu ne dois plus jamais voler. D'accord. Je te promets d'être plus volé. J'arrête à partir de ce jour. Je vais rassurer. N'oublie pas, n'oublie jamais combien nous deux on s'est aimés. Si peu de choses nous ont séparés. Oh, promets-moi, n'oublie jamais. Chaque soir je pense à ton sourire. Cette image m'aide à m'endormir. Hanté par l'excès de ton souvenir. Tu sais je t'aime. Je n'ose pas te le dire. Tu sais le fait que je te vois pas très constamment là, ça me fait mal. Il faut qu'on trouve un moyen de se voir le plus souvent bébé. Tu comprends un peu pourquoi non? Ouais, il faut qu'on trouve un moyen. Bon, toi tu sais que c'est un peu difficile. Non, non, ça, regarde, tu fais au moins 2 mois sans te voir, 3 mois avant que tu viennes ici. Tu vois, il faut qu'on fasse un maximum d'efforts de se voir constamment et pour te dire, bébé, tu as été super tout à l'heure. Merci. Toi également, hein. J'espère qu'avec lui, tu ne fais pas comme tu as fait avec moi. Non, comme tu le sais, moi, je ne l'aime pas comme je t'aime quand même. N'est-ce pas? C'est très joli. Merci. J'espère que tu vas avoir ce problème-là, n'est-ce pas? Ah, si c'est pour ça, je veux ça, je te promets. D'accord. La prochaine fois qu'on va se voir, je voudrais que tu me gardes 50 000. Je ne sais pas si ça serait possible. 50 000. Oui. D'accord, je vais voir, je ferai une effort, je vais te le garder. Je sais que je peux compter sur toi. Mm-hmm. Bon, il faut que tu rentres. Tu sais quoi, il faut que je rentre à la maison. N'est-ce pas? Et tu vois le problème dont je te parle tout non, à l'heure. Non, compte sur moi. Il faut que je reste avec toi, chérie. Le vieux truc là, il te garde pour lui seul. Ça ne me plaît pas, je suis un peu jaloux.
Lily. Oui, chérie. Viens un instant, s'il te plaît. Tu m'as appelé. Oui, oui. Est-ce que ma chemise fait repasser hier? Comment ça a fait? C'est pas repassé. J'ai oublié. Ah, ben, il faut donc passer le repasser après. Hein. D'accord, c'est comme ça. Aïe, mate. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chérie, toi tu ne trouves pas qu'il y a trop du travail ici à la maison? Mais enlève d'abord le fer sur la vie, ça va le brûler. Ah, il faut un bois pour faire tout ça. Moi je peux pas. C'est déjà trop. Je suis à la cuisine tantôt en train de repasser. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Je veux un bois, chérie. Ça va. Tu connais quelqu'un que tu veux trouver qui pourra bien assurer? Maman m'a promis un boy là, si je pouvais aller le chercher. On ne sait pas, il faut donc le chercher, je vais voir ce qu'on pourrait faire. D'accord. J'espère qu'il serait quand même compétent, hein, parce que je ne veux pas d'un boy qui va rester là et pour manger. Hein. Tu sais, ma maman ne peut pas quand même me proposer un boy qui est mauvais quand même. Donc si c'est elle qui me l'a proposé, c'est que vraiment il doit être compétent. Ok. Il serait compétent, hein, chérie, il serait compétent. Ça, je l'espère. Vas-y un peu vite là, maintenant presse, j'ai quelque chose à faire. Ok, que c'est gentil. Mais t'as plus rien à faire, hein? Tu peux continuer à travailler à la cuisine devant. Ah, je t'accompagne d'abord. Je laisse à la porte, non? Bon, bonne journée, chérie. Ok, à plus tard. Merci. Je vais m'embrasser quand même dedans. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Quelle journée s'annonce encore aujourd'hui? Bonsoir monsieur. Vous voulez vraiment travailler? Oui monsieur. J'ai besoin d'un boy sur moi, ça vous tente? Mais monsieur, avec tout le parcours scolaire que j'ai parcouru là, n'est pas obligé que venir faire un travail de boy monsieur. Mais monsieur, comment tout le travail scolaire que j'ai parcouru? Mais ça c'est le vôtre. Parce que là j'ai fait le travail de boy aujourd'hui monsieur, avec tous les diplômes que j'ai eu là monsieur. Mais justement monsieur. Foutez-moi le camp. Et vous me parlez fort? Allez, hors de mon bureau! Regardez-moi ça là. On est où là? Et Jetsby? Oui, monsieur. Mais monsieur. Que soit toute dernière fois, hein? Vous pouvez faire des séparations dans le bureau. C'est pas vrai, on est où? C'est compris, monsieur, c'est compris. Vous m'avez dit dans mon bureau? La dernière fois. C'est compris. Que ça se répète.